Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 362e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé-Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la finance, les finances publiques, la fiscalité, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'éthique. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé-Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 362e édition, nous avons retenu pour thème « Gestion des caisses d'épargne et de crédit, quelle garantie ?» Pour avoir cette émission, nous avons à la fois le privilège et le plaisir de partager ce podium avec l'habitude d'émission, à la personne du directeur général de Le Levier, Fédération des caisses populaires Le Levier, et également M. Claude Baptiste, qui est directeur de la direction de surveillance de la Fédération Le Levier. Bienvenue à notre émission, monsieur le directeur. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs Radio Télé-Guinée. C'est un plaisir pour moi participer dans l'émission ça, pour nous partager avec le monde ce qui a passé dans la caisse populaire Le Levier et qui garantit qui gagne dans fait affaire avec la caisse populaire Le Levier. Merci. Monsieur Baptiste. Je salue tous les téléspectateurs de Télé-Guinée. Moi, je dis merci à M. Payan pour l'invitation. Moi, je salue toutes fidèles branchées Télé-Guinée, plus particulièrement émission OCPA Magazine, que moi-même, c'est un fidèle auditeur aussi. Et c'est un privilège pour nous partager avec tout le monde et toute population haïtienne en particulier de qui ça, qu'est-ce et comment gestion est au fait et qui type d'institution est. Merci. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre organise ce jeudi, le jeudi comptable, qui est un événement, une conférence ouverte au public, aux membres de la corporation, et ceci à l'hôtel Montana, ce jeudi à 5h PM. Donc l'Ordre invite tous ses membres, le grand public, les étudiants, les chercheurs, à participer à cette série de conférences. L'Ordre reçoit également des inscriptions à son local au numéro 17 de Ariel Boussan. Donc, ceux qui voudraient intégrer la corporation, eh bien, ils peuvent passer à son local au numéro 17 de Ariel Boussan. À chaque émission, nous répondons aussi à une question. Et cette fois-ci, la question que nous avons sous les yeux, c'est les modalités d'imposition de la CFPB. CFPB, c'est ce qu'on appelle communément impôt locatif, contribution foncière des propriétés bâties. Alors, il y a un nouveau tarif et à partir de 200 000 gourdes, le tarif est de 10%. Excusez-moi. Donc, on est passé d'un tarif de 15 à 10%. Alors, pourquoi nous avons cette question, une question intéressée? Eh bien,
il semble que certaines mairies, c'est une ressource fiscale des mairies, pour avoir le même niveau d'impôt que l'an dernier, eh bien, certains agents de la mairie augmentent la base imposable. Donc, ceci est une pratique qui est tout à fait anormale, arbitraire. Donc, nous invitons les membres des ressources fiscales des mairies à se ressaisir parce qu'on ne peut pas augmenter arbitrairement la base locative, surtout lorsqu'il s'agit d'une maison qui est louée. La maison est louée lorsque le propriétaire vous a soumis le contrat de location. Si la mairie a une objection en ce qui a trait au prix raisonnable conclu par les parties, elle peut intervenir. Cependant, s'il n'a aucune raison, la mairie ne peut pas, sous prétexte d'avoir le même niveau de recettes, augmenter arbitrairement la base. Ceci est une pratique qui est tout à fait illégale et nous invitons nos amis, les différents services de ressources fiscales des mairies à se ressaisir. Un petit rappel également à ceux qui doivent produire la déclaration définitive d'impôt. C'est le mois, le 31 janvier, la date limite. Donc nous invitons encore une fois tous ceux qui sont concernés à produire la déclaration d'impôt. Déclarer ne veut pas dire qu'il faut payer. Parce que certaines personnes, les salariés particulièrement, les employés, ont fait des avances à l'État. Donc, ça veut dire, il se pourrait qu'il y ait un crédit d'impôt en déclarant. Mais il faut quand même déclarer. Et rapidement, nous invitons aussi les leaders politiques à remplir leur déclaration d'impôt pour ne pas avoir à le faire lorsqu'il faudra aller aux élections. Donc, il faut remplir cette obligation, je dirais, civique, devoir civique. Le thème de mission du jour, la gestion des caisses d'épargne et de crédit, quelle garantie? Donc, voie garantie pour les usagers, garantie pour les membres des caisses populaires, voie garantie pour le grand public, on voit aussi garantie pour l'institution chargée du contrôle. Et nous avons aujourd'hui deux gros cadres de la Fédération de levier. Et la première question que nous avons adressée au directeur général particulièrement, comment le levier a marché? Le levier continue à fonctionner sous vitesse quasi allée, avec ses 42 caisses appuyées qui étendent sous ensemble pays à travers 78 points de service. C'est un réseau qui continue à augmenter le nombre de membres. Nous avons 700 000 membres dans la date fin d'exercice. Nous. Et un réseau qui croître en termes d'actifs, en termes d'activité générale, de collecte d'épargne, de crédit. Donc, c'est un réseau de 7 milliards de gouttes d'actifs et plus de 60% de actifs li kap roulé dans crédit. Dans crédit court terme, dans crédit moyen terme, dans crédit long terme, qui c'est gros service, puis gros service que Caisse Populaire apprend à la population haïtienne. Et réseau A, c'est 42 caisses qui sont appuyées par la Fédération à travers ces différentes directions. La direction de l'appui aux caisses, qui intervient tant au niveau de la gouvernance des caisses qu'au niveau des opérations quotidiennes des caisses, qui intervient à travers la direction surveillance li, dans contrôler tout ce qui a passé dans la question. Respect principe coopératif, yo, respect norme prudentielle, yo, respect politique et procédure qui est en place pour assurer fiabilité information qui a sorti dans la question. Et c'est pour attirer attention population haïtienne là, sous fiabilité information qui a sorti dans la question,
que moi accompagné Jodia de directeur surveillance là qui pral parler en long en large et en travers de contrôle qui fait dans question et qui garantit à population haïtienne là que information qu'a sorti dans caisse populaire le levier c'est information de qualité. Très bien. Alors, étant donné que le thème de mission c'est gestion des caisses d'épargne de crédit, quelle garantie? Donc, qui garantit une coopérative gagnée, une caisse populaire gagnée particulièrement, pour faire partie de la fédération Le Levier, ou d'une fédération? C'est garantie d'accompagnement, parce que fédération sont institution d'accompagnement, garantie de surveillance, parce que fédération sont institution de surveillance, et garantie par rapport à résultat question. Parce que fédération sont institutions financières qui accompagnent question, dans chercher opportunité pour eux et dans permettre de réaliser des résultats qui sont bons chaque année. Résultats importants qui sont bons parce que Mambio attend retour de résultats ça yo. Même si institution caisse populaire yo pas poursuivre des bénéfices extraordinaires mais Mambio qui investit en dans caisse populaire yo y a tant un retour que nous relé ristourne et toute caisse en dans le levier yo a ristourné actuellement à Mambio parce que yo connaît de bons résultats de exercice. Donc yon caisse qui fait partie de fédération Le Levier son caisse côté Mambio doublement protégé parce que caisse là gagne des garde-fous qui propre à lui et fédération Le Levier établit un ensemble de outils qui viennent protéger davantage épargne Mambio qui fait que yon membre qui non caisse qui membre Le Levier assure en tout temps que épargnant n'est pas perdu même si caisse li atava en difficulté fédération a des outils pour accompagner caisse ça pour protéger épargne Mambio en tout temps. Donc toute caisse qui a fonctionné dans le pays a gain intérêt pour yo attaché yo à fédération Le Levier. Très bien. Donc ça voudrait dire que en dehors de la banque centrale qui exerce ce contrôle sur le secteur des coopératives la fédération joue un rôle d'intermédiaire. C'est bien le cas. C'est même pas un rôle d'intermédiaire parce que fédération a un rôle de premier plan. Très bien. Banque centrale a assuré que données qui sont en dans fédération en dans caisse fédération c'est données qui fiables. Mais fiabilité ça elle est assurée par le système de surveillance de la fédération. Et c'est pour ça la fédération a disposé le don direction de surveillance. Et c'est loi juin 2002 à même qui conférait à fédération pouvoir de surveillance par rapport à caisse mamblio. Yon caisse qui affilié dans fédération donc c'est fédération qui assure de surveillance li. Alors que yon caisse qui a fonctionné pas affilié en fédération c'est banque centrale qui pourra imposer le système de surveillance qui pourra imposer des vérificateurs pour assurer que données que caisse a produit c'est des données qui fiables. Donc nous gagnons en dans fédération le levier en direction de surveillance qui est intervenu dans surveiller contrôle interne qui a passé en dans question parce que chaque question a une propre structure de contrôle interne mais à travers des missions d'inspection fédération intervenue dans question pour assurer que contrôle interne li rodé et li fonctionnel li en place. C'est système de contrôle interne qui est en question qui permet que yo produit des informations en respect des normes établies. Et information ça yo, information financière qui dégage yo, yo pral encore valider par des missions de vérification que fédération a assuré à travers direction surveillance. Donc moi sûr que monsieur Baptiste qui est là avec nous qui directeur surveillance là, il pral aller plus en détail sur comment ça fait en dans question mission surveillance de la fédération. Très bien. Alors après description ça qui est assez clair. Direction surveillance li gen un rôle de premier plan en ce qui a trait pour assurer de fiabilité information.
Donc, qui procédure met en place pour que rôle ça joue effectivement dans les faits? Okay, merci, M. Payan. Direction surveillance, là, comme directeur général la SODZIL, lui joue un rôle de premier plan dans la surveillance question. Direction de surveillance, là, a un ensemble d'outils qui est en place. Nous gagnons des accompagnements à la base, nous faisons à contrôleurs internes qui en fonctionnent en question pour veiller à l'application procédure. Et nous faisons cultiver que c'est la rigueur dans tout bagaille en termes de procédure. La rigueur. Et ensuite, c'est zéro tolérance en matière de contrôle, pas de concession sur les contrôles. Et direction de surveillance, là, par organisation, il y a une équipe d'auditeurs qui à la fois intervient en audit à distance et en audit sur place. En audit à distance, comment? Parce que la fédération a un système d'informatique qui est très performant, qui relie les questions, et grâce à ça, nous sommes capables de demander une base de données. À travers la base de données, ça, nous sommes capables d'essayer de faire une inspection à distance et ça a déclenché une inspection rapidement sur place. Tout dépend des évolutions chiffres ou bien des évolutions ratios dans le système. Une fois nous intervenus, nous travaillons tout de conseil avec les contrôleurs internes. Parce que les rapports des contrôleurs internes, les rapports que produit le contrôleur interne de chaque caisse, nous en possession de eux. Nous faisons une analyse de eux, nous gardons tous les points des faiblesses. Nous gardons les points forts et les points faibles. Et ça permet nous mieux préparer l'intervention. Et ensuite, nous intervenons aussi en inspection. Inspection, la loi ou bien les normes prudentielles de la fédération fait obligation que la caisse d'épargne et de crédit ne doit pas passer plus que 2 ans pour ne pas subir une inspection sur place. Mais l'inspection à distance, ça se fait régulièrement. Chaque 3 mois, toute caisse obligée de passer une inspection à distance. Et ensuite, il y a la vérification qui va venir en fin d'exercice. Lors de la vérification maintenant, c'est maintenant plus facile parce que nous déjà constamment en accompagnement question, nous déjà font contrôle déjà à la base, à la vérification en fin d'exercice. Là, ça, c'est comme que dirait c'est avant simple formalité parce que nous assurons nous que chiffre est conforme, que est sincère, que la régularité, la sincérité que est là. Égal à ça, nous intervenons et nous procédons à vérification. Mais la direction de surveillance a joué d'autres rôles toujours par rapport aux besoins question, besoin d'accompagnement. S'il le faut, nous sommes capables d'intervenir, et ce que nous faisons souvent, en formation de contrôleurs internes. Et nous intervenons tout à mise à jour module de formation pour les employés qui ont intervenu dans le contrôle et dans la conformité. En gros, c'est ça, direction de surveillance. Mais direction de surveillance, c'est tout un ensemble de programmes de formation, tant pour ses employés que pour les employés des caisses qui interviennent dans le domaine du contrôle aussi. Et mise à jour à faire régulièrement pour nous toujours à roder nous, pour nous toujours à corriger tout ça, nous, qui, en termes de cas, en façon pour nous cap vraiment livrer aux marchandises de qualité qui est capable de permettre à tout le monde mieux. Qu'apprêter tête fouette parce que protection et paillot nous assurer parce que la loi ben nous ça comme prévision. Très bien. Donc contrôleur interne joue le rôle de chien de garde auprès de chaque caisse populaire. Maintenant, est-ce que nous assurer de compétences contrôleur interne? Est-ce que c'est nécessaire un monde dans coopérative là ou bien sont monde qui ont compétences externes qui travaillent pour coopérative là? Très belle question. Pour contrôler interne, recrutement contrôler interne, c'est fédération qui prend ça en charge, en façon pour éviter favoritisme. Parce que fédération côté l'Ichita là, à Port-au-Prince, question sur tout territoire, il pas reconnaître tout le monde. Mais lorsque c'est compétence qui prime, ça fait tout groupe contrôleur interne qui en poste, c'est des garçons et des filles qui compétents, qui vraiment effectivement fait travail et vraiment qui ont diplôme qui prend des diplômes à l'université à cet effet, et c'est moun qui vraiment très performant jusqu'à date, parce que jusqu'à date,
là n'a regardé travail yo, n'a regardé profil tout des rapports yo, nous ouais que y a font travail sérieux et nous ouais visiblement les changements aussi du jour le jour. Très bien. Donc maintenant, ça veut dire que nous avons des procédures qui sont écrites. Alors, le directeur a parlé de 42 caisses populaires et 78 points de service. Donc maintenant, est-ce que nous garantissons l'indépendance contrôleur? Oui, les contrôleurs sont indépendants. Les contrôleurs sont indépendants parce que structurellement, vous voulez que contrôleur interne, la loi même, la loi de juin 2000 des normes prudentielles, vous voulez que contrôleur interne dépend directement du conseil d'administration. Mais nous-mêmes, nous montons strictement façon que le contrôleur interne, administrativement, lui dépend des directions caisses, parce que pour, c'est lui qui a contrôlé la présence, c'est lui qui a contrôlé tout, disons, travail, le mouvement dans la coopérative, mais le contrôleur interne rattaché directement à la fédération. Non seulement lui reporter à conseil d'administration, lui reporter à fédération en tout. Parce que constamment, nous toujours, à chaque fois, nous rencontrons une situation, yo fait appel à la fédération, à la direction de surveillance qui gagne plus expérience dans matière là. Ça fait en tout temps nous veiller à ce que contrôleur interne garde indépendance. Et contrôleur interne tellement garde indépendance yo, structure là ou bien la loi dit qu'elle dépend du conseil d'administration. Mais pourquoi que dans les caisses il y a un conseil qui est le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance des caisses c'est un conseil qui est zéro pouce opérationnel. Il intervient seulement en matière de contrôle. Ou après contrôleur interne, plus qu'on relation très étroite avec le conseil ou bien le comité de surveillance des caisses. Parce que le comité de surveillance, ça a un peu de sécurité dans la caisse. Parce que constamment, parce que job contrôleur interne, il constamment mettait au conflit avec direction. C'est normal. Parce que a contrôlé structure, c'est normal qu'il y a toujours un conflit. Mais contrôleur interne, il appuie beaucoup plus sur surveillance. Non? Sous comité de surveillance qu'est-ce et sous direction de surveillance fédération qui en tout temps a intervenu pour lui pour le garder indépendance pour le faire travailler comme gens selon la loi en conformité avec la loi. Très bien. Alors, n'a fonti aspect, garanti aspect et historique. Les procédures telles que établies aujourd'hui, est-ce que il pas venu combler un déficit qui existait déjà et qui t'a expliqué un gros problème que le secteur des caisses populaires te connaît. Alors, il faut dire que depuis la création des caisses populaires en Haïti, il a fonctionné avec trois organes bénévoles qui constituaient de bénévoles. Il y a un conseil d'administration, il y a un comité de surveillance et un comité de crédit. Alors, ensemble de monde qui en dans différents conseils ça yo c'est pas des monde qui gagnent yon compétence spécifique dans gestion financière dans contrôle financier mais c'est des monde que assemblée générale là désigné pour mener bac entreprise yo et bien contrôle te rete nan men comité surveillance en dans question. Alors là pour un comité de surveillance qui est constitué de gens bénévoles qui pas obligatoirement une formation appropriée. Donc c'est sûr que tu as une faiblesse malgré bonne volonté membre comité de surveillance yo, qui essaie de faire des contrôles mais c'est des contrôles limités parce que pas de gagner technicalité yo, pour faire des contrôles qui tout à fait appropriés. En plus depuis existence caisse populaire yo pas toujours gagner des structures soit d'accompagnement soit des structures étatiques qui assuraient dont l'autre niveau de contrôle dans caisse populaire et c'est ça qui est à la base de dérapage donc information que t'as sorti dans caisse populaire pas des informations qui fiables bon directeur ou bien gérant de caisse populaire qui a géré caisse populaire là et qui a produit état financier. Donc, personne n'a pas gardé fiabilité donnée que le directeur s'est sorti. Et pendant plus de 40 ans, caisse populaire fonctionnait sans vérification, sans inspection, avec simplement une velléité de membres de conseil de surveillance
pour contrôler action, pour contrôler transaction, pour contrôler opération. Question. C'est une vingtaine d'années ça gain depuis que inspection vérification commençait dans question. Même en dehors de dispositif étatique yo. Dispositif étatique yo, yo vini à partir de juin 1982. Après crise coopérative là, à partir de juin 2002, après crise coopérative là. Donc, vin gen Banque Centrale comme régulateur financier qui intervenu dans le contrôle financier question. Mais pendant environ une vingtaine d'années, c'est plutôt appui que question te recevoir de un certain nombre de projets, entre autres de développement international des jardins, qui est entré avec structure de contrôle, avec une unité d'inspection et de vérification des caisses. Ce que Fédération Le Levier vient emboîter, parce que la loi vient bailler pour voir ça. Donc, intervention, direction, surveillance, fédération en question, les vins compléter travail que comité surveillance qu'on a fait et structure de contrôle interne qui était déjà existé en question. Donc, c'est une forme de renforcement de contrôle en question qui assurait à la population fiabilité information qu'a sorti. Très bien. Eh bien, si on est ainsi, on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 362e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé-Guinée, OPA Magazine. Émission qui a pour thème gestion des caisses d'épargne de crédit, quelle garantie? Nos deux invités, M. Jocelyn Saint-Jean, directeur général de la Fédération Le Levier, et M. Claude Baptiste, directeur de la direction de surveillance. Au cours de la première partie de l'émission, eh bien, M. Saint-Jean, directeur général, va expliquer comment fonctionne la fédération, les rapports existants entre la fédération et les 42 caisses qui sont affiliées à cette fédération. Il a également pris soin de mentionner le côté formel des procédures et l'avantage qu'une caisse d'épargne et de crédit a à s'affilier, à faire partie du réseau Le Levier. Et un des avantages est le fait pratiquement d'avoir le bénéfice d'une vérification par la fédération lorsqu'on est membre. Cependant, lorsqu'on n'est pas membre, il faut faire appel à un expert comptable indépendant, une firme comptable indépendante, pour, en principe, avoir une vérification des obligations annuelles. Donc, en dépit du fait que la caisse d'épargne membre assume mais paye une cotisation à la fédération, mais les coûts sont de très loin par le fait d'être membre de la fédération. Donc, quant à M. Baptiste, il va expliquer le rôle déterminant de la direction de surveillance qui joue le rôle de le chien de garde. Et cette direction suivait de très près les caisses d'épargne et de crédit et également intervient sur place. Alors, concrètement, quels sont les rapports que doivent soumettre les caisses d'épargne et de crédit de manière à ce que vous puissiez assurer ce rôle à distance de surveillance? Okay. Merci, M. Payen, pour la question. Normalement, il y a les normes prudentielles de la BRH dans un circulaire qui parlait des rapports et des vérifications. Un ensemble de rapports que les caisses sont supposées soumettre chaque trimestre. Mais la Fédération nous exiger que chaque mois que Kessla soumette ensemble des états financiers, bilan, état des résultats, etc. Et l'ensemble des statistiques sur crédit aussi, sur épargne, tout
élément qui constitue dans le fonctionnement qu'est-ce là. À partir des rapports ça yo, nous-mêmes dans la direction de surveillance, nous faisons une analyse parfois des rapports yo. Et si qu'est-ce là toutefois pas produit rapport yo, nous gagnons tout des ou installation, disons, nous avons des matériels, des outils adéquats que nous pouvons tirer information sa yo à partir des bases de données qu'est-ce. Une fois nous tirer information yo, nous analyser yo, nous proposer ou bien nous faire des recommandations à qu'est-ce en matière d'inspection. Moi t'aimerais me rappeler tout dans inspection à distance là. Inspection à distance là qui ont effet d'évidence de contrôle qu'est-ce. Là nous contrôler à distance qu'est-ce pas connait c'est n'a contrôler mais c'est automatiquement nous ca débarque ou bien nous reler nous dit nous ouais que tel ratio qui était telle façon dans telle époque comment il fait tomber dans telle façon ouais comment il fait décroître vite comme ça les ça qu'est-ce là pas connait qu'il est n'a contrôler ça fait en tout temps il est obligé toujours à arranger pour conformer pour moi retourner dans la question l'ensemble des rapports et statistiques yo pou gen produit trimestriellement gen ki produit mensuellement parce que c'est exigé par la loi. Une fois yo produit rapport yo produit, nous-mêmes nous procéder en analyse des rapports yo. Et analyse des rapports yo permet nous dans direction de surveillance là arranger nous pour nous cap soit intervenir soit passer un coup de fil ou bien écrit qu'est-ce là pour dire que voici les points sur lesquels que lui mettait accent pour nous avancer. D'autres aspects surveillance dans gain encore direction de surveillance nous travaillons tout de concert avec la surveillance de la banque centrale aussi. Parce que une fois nous procéder à une inspection de quel que soit qu'est-ce là la loi fait une obligation pour nous transférer rapport à la banque centrale. Et ensuite tout une fois nous découvrir quelque chose d'anormal ou bien anomalie grave, nous supposer automatiquement transférer dossier en tout informer banque centrale d'anomalie et qui mode de traitement nous ben anomalie et qu'est-ce dans lui-même tout engager lui à prendre des dispositions pour corriger et les correctifs aussi et nous suivre correctif yo à la direction de surveillance non seulement nous intervenir en matière de contrôle mais nous intervenir aussi en matière de suivi à des recommandations parce que les rapports d'inspection yo assorti des note de recommandation à la caisse sur l'ensemble des faiblesses, des lacunes constatées et à des périodes bien déterminées, nous suivent évolution correctif aussi. C'est ça en matière de surveillance nous fait concrètement. Très bien. Alors, est-ce qu'il arrive des cas où une caisse populaire qui pas respecté délai de soumission rapport et qui sanction prévoit par les cas? Alors, il faut dire que réseau, le levier et ensemble de questions, ils ont évolué dans le temps. Qui fait que nous n'avons pas vraiment en face à un problème de délai de soumission de documents. Parce que par le fait que nous mettons en place un système automatisé, donc, ensemble de documents que question ont été obligation pour soumettre il y a de cela et quelques années, et il n'y a pas face à obligation ça encore parce que l'information ça est disponible déjà à la fédération de levier. Donc, direction, inspection, uniquement faire une restauration d'une base de données de quelle que soit caisse de faire inspection à distance et les données sont disponibles. Donc, problématique délai de soumission de documents n'est pas d'actualité encore parce que nous avons vraiment automatisé l'opération et l'information est disponible au niveau de la fédération. Une petite question. En temps réel, la fédération est informée de l'évolution d'une caisse. Oui, c'est même pas être informé, on a l'information. L'information est disponible. Disponible. Voilà. Très bien. Donc, c'est une garantie vraiment pour les usagers et pour les membres, pourquoi pas. Maintenant, on prend un cas concret. Donc, la fédération intervient à la direction de surveillance dans une caisse populaire et le contrôle sur place. Qui procède nous suivre pour ça? Okay. Et forme signaler que direction de surveillance là, li compte dans Saint-Li 8 comptables professionnels agréés. Son bel bagaille. 8 comptables professionnels agréés. Nous gain un ensemble de nous gain des programmes
ce n'est pas des interventions nous fait, par exemple, privé par chance, ou fait ça, ou fait ça. Mais c'est déjà écrit. Toute chose, ou bien toute intervention est minutieusement planifiée à la fédération. À travers l'ensemble des programmes de vérification, des programmes d'inspection. Parce que nous avons des manuels d'inspecteurs, nous avons des manuels de vérification aussi. Grâce à ces outils, nous minutieusement préparons l'intervention. Et lorsque nous arrivons souterrain, ce n'est pas souterrain, nous ne pouvons pas le déterminer, ça, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes capables d'arriver souterrain, nous découvrons un bagage que nous ne connaissons pas, nous découvrons une situation qui permet nous, cap sur place, nous faisons une replanification, nous planifions pour nous cap traiter les points ponctuels que nous rencontrons. Mais nous avons un ensemble de programmes. Et programme de vérification, un ensemble de procédés qui prend secteur par secteur, section par section. Et nous avons un résultat, nous avons cherché tout. À travers chaque procédure. Parce que bon but qui visé, bon but qui visé. Nous-mêmes, tous, nous travaillons, ou bien l'ensemble des comptables de la fédération, nous veillons à ce que les questions, que les principes comptables généralement reconnus ou respectés, non seulement sans plus de ça, comme c'est une coopérative liée, nous veillons à ce que, en même temps que les principes comptables, les règlements, les normes, tout à respecter, que les principes coopératifs aussi, en général, qui sont respectés à chaque étape. Mais ça, nous disposons ensemble, comme on dit déjà, de programmes avec des procédés. Et c'est des programmes qui sont mis à jour, en fait, au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure que il y a de nouveaux produits ou bien des services qui ont rentré dans la fédération, nous-mêmes, nous faisons mise à jour pour contrôler le secteur. C'est comme ça que nous fonctionnons. Très bien. Alors, on a fait un petit rappel. C'est-à-dire que chaque monde qui fait partie d'une caisse d'épargne de crédit, licencié, c'est un copropriétaire lié. L'IGN doit, en tant que tel, veiller sous entreprise, sous activité, sous coopérative liée. Deuxième niveau gain, c'est que, en dehors du fait que chaque monde qui a fait affaire avec la caisse d'épargne, ils sont monde qui intéressés, non seulement comme usagers, mais aussi comme copropriétaires, mais encore une structure administrative qui, en dit principe, qui évite tout dérapage. C'est ça que vous allez comprendre. Et maintenant, là, nous prenons par exemple les obligations des caisses d'épargne. Est-ce que vous avez tenu une assemblée annuelle? Est-ce que si vous manque à ce niveau-là, est-ce que le comité de surveillance, la direction de surveillance peut intervenir aussi, de manière à ce que nous puissions assurer qu'effectivement, quel que soit pour un territoire là, ou une caisse d'épargne de crédit, pourvu qu'elle fait partie d'une fédération, eh bien, l'application réglée aurait été uniforme. C'est des obligations légales. OK. C'est des obligations statutaires. Très bien. Donc, Mambio, les yo créé question. Ils ont établi mode de fonctionnement question et mode de fonctionnement qui en conformité avec les grands principes généralement reconnus, principes coopératifs généralement reconnus et opérations faites en respect des principes comptables, des principes de gestion généralement reconnus. Et assemblée générale là, qui c'est chaque monde qui a fait transaction en dans une caisse populaire qui constitue elle. Ils n'ont pas là chaque jour pour contrôler ce qui a passé. Très bien. Et c'est ça qui fait que ils ont mis des conseils qui pour gérer les questions. Il y a un conseil d'administration qui apprend les grandes décisions. Le conseil d'administration qui a des bénévoles, ce n'est pas lui-même qui est capable de conduire l'opération chaque jour. Le conseil d'administration a nommé un directeur sous base de compétences et a nommé un ensemble d'employés sous base de compétences pour gérer l'opération chaque jour. Mais l'opération, ça y est, ils ont supposé bah ont compte rendu de yo à assemblée générale là et c'est ça qui fait question des obligations pour produire des rapports financiers et comme assemblée générale là pas là chaque jour il pas qu'à placer confiance ni sur un individu sur un employé ils ont exigé que rapport qui a présenté bah assemblée c'est des rapports audités. Et la loi déterminée pour les caisses affiliées à une fédération, qui est-ce qui est responsable de faire audit ça? Et pour qu'est-ce qui n'est pas affilié à une fédération, qui est-ce qui pour faire audit ça? Donc, dans l'Assemblée générale,
dirigeant yo a rapporté à ensemble de membres yo ça qu't'est fait pendant exercice là pendant année et parmi éléments qui plus important rapporté c'est résultat opération yo et résultat opération qui validé par un auditeur en dans fédération même si son direction de surveillance qui appartenu à la fédération mais c'est pas des monde qui lié ni de près ni de loin à opération quotidienne question yo intervenu seulement en surveillance donc yo bay yon rapport qui crédité qui crédibilisé données qui sorti en dans question parce que faut nous dire c'est pas auditeur là qui préparait état financier état financier préparé par employé qui ça pas direction caisse populaire là auditeur là vinn bay yon certaine validation à donner ça li bay yon opinion à partir d'un ensemble de procédés de vérification donc li dit que donner ça aux sorti dans caisse ça c'est des données nous capable faire confiance et banque centrale lui-même li basé sur données question comme données qui vrai parce que li fait un autre niveau de vérification de méthode de vérification que le levier utilisé donc le banque centrale fait une inspection en dans fédération le levier l'a regardé est-ce que procédé d'inspection yo est-ce que procédé de vérification que direction de surveillance fédération le levier utilisé yo c'est des procédés qui conforment aux normes, qui conforment aux principes généralement reconnus pour l'audit. Très bien. Étant donné que nous parlons de la gestion des caisses d'épargne et de crédit, voyons le côté crédit, du crédit, où par exemple la caisse reçoit de l'argent, la caisse octroie aussi des prêts. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, la direction de surveillance permet, je dirais, une distribution saine et inclusive du crédit? Oui. Pourquoi? Parce que la loi fixait des garde-fous. Pas oublier, c'est des entreprises qui ont un conseil d'administration qui a mené, qui choisit parmi les membres, qui a toujours gagné favoritisme dans les crédits. La loi fixe une série de garde-fous. Qui limitation des crédits, qui pourcentage des crédits que l'ensemble des dirigeants a gagné. À tel point, lorsqu'on dirige à un crédit, il n'y a pas gagné comme dirigeant, il gagne comme membre. Ça veut dire qu'il doit suivre tout principe. Direction de surveillance, non? Dans ce contrôle, soit sur place, soit à distance, nous veillons à ce que la politique de crédit soit respectée. Que la politique de crédit soit respectée. Et que les normes en matière de crédit aussi respectées. Par exemple, limitation de crédit à un seul membre. Limitation de concentration portefeuille là. Que portefeuille crédit n'est pas concentré dans un petit groupe. Nous vérifier tout ça et nous vérifier aussi tout processus crédit en général pour est-ce que pas gagner moun ou bien un membre qui pas suivre toute étape mais qui gagne droit en crédit nous vérifier tout ça c'est ça qui permet que portefeuille crédit lorsque n'a font inspection à distance nous garder nous que par exemple délinquance là qui était 4% li passé à 5% automatiquement ça gagne interpeller nous courir à regarder nouveau crédit accordé pour nous, dans qui conduit ce serait pas des nouveaux crédits qui tombent en délinquance qui étaient mal accordés. Et ça qui permet nous automatiquement rentrer dans la question pour nous regarder, pour nous prendre dossier, pour nous faire une analyse des dossiers crédits. Ouais, est-ce que tous les critères sont respectés? Est-ce que maintenant tu es éligible pour le crédit? Ou bien est-ce que maintenant tu as capacité vraiment pour le rembourser? Est-ce que activité en tout sont activités qui rentrent dans la ligne que la question supposée financer? Parce que la question n'est pas supposée ballon crédit pour. Il y a une activité qui est hostile à l'environnement. C'est des activités qui sont rentables pour ni même ni communauté. Nous intervenons en pile en matière de crédit parce que qui dit que c'est crédit. Oui. Ouais, c'est des pailles et des crédits. Or, crédit accordé à partir des pailles. Si on accorde des crédits dans mauvaise condition, il pas rentré, c'est même qui a perdu des pailles. Ça fait nous très sensibles à ça. C'est ça qui permet jusqu'à date que le réseau est un réseau solide qui a fait pas fait gros bénéfices. Parce que par rapport à l'objectif question, mais quand même qui est rentable. Très bien. Moi, pour moi, j'ai besoin, moi, j'ai voulu faire comparativement à la dernière question. Que notre vérificateur, ou bien opinion vérificateur, est adressé directement aux membres. Et membres, ils même connaissent le droit dans ce sens-là. Pas de l'Assemblée générale qui a fait, sous pas le rapport vérificateur, notre que vérificateur adressé à membres, que membres sont d'accord. Parce qu'ils ont besoin qu'on ait chiffre pour le bien, mais qui valeur. Valeur chiffre, ça partit de
note que vérificateur adressé à Mamio. Et la loi permet que vérificateur qui te possède à vérification qu'est-ce là capable présent physiquement à l'assemblée pour assembler l'ensemble des membres poser toutes questions. Pour rassurer. Si assurer aussi au des inquiétudes quant à utilité chiffre qui produit par vérificateur là. Oui. Alors on a deux questions là. Première question, hein? Gon rotation au niveau des vérificateurs également au niveau de la direction de surveillance. Gon rotation. Oui, parce que la loi de juin 2002, comme nous intervenons tout en surveillance, il dit vérificateur qui intervient en surveillance là, pas supposé lui-même qui intervient comme responsable dossier de vérification. Mm-hmm. Nous, plus qu'une douzaine, nous intervenons, je dis à moi capable de passer nos caisses, moi qui fait 3 ans, moi pas tourner passer encore. Dans le système, nous faisons des planifications, nous gardons historique. Nous gardons historique de façon que nous roulons les ressources qui peuvent aller dans la question. Et puis nous veillons tout aspect pour les ressources qui gardent l'indépendance surtout. Par rapport à la zone de ressources, parce que nous sommes sur tout le territoire. Mm-hmm. Parce que nous, de tous côtés, nous surveillons à ce que l'on a placé les ressources, nous mettons les ressources en condition pour les garder toute indépendance. Indépendance d'esprit, indépendance de fait tout et tout pour le cap fait travail selon les normes de vérification. Très bien. Alors, si nous parlons de crédit, Zeter, qui taux de contamination portefeuille à Odia là au niveau de la fédération? En moyenne, nous avons 10%. En moyenne, parce que il y a des caisses qui sont vraiment en dessous de 5%, mm-hmm. mais il y a des caisses qui, parfois, dépendant de situation dans zone, dépendant de situation politique, qu'on gagne portefeuille qui est un petit peu dérapé en supérieur à 12%, mais en moyenne, nous, autour de 10% de taux de délinquance de portefeuille. Nous. Alors, je profite de parler, comme tu as parlé de crédit, pour dire que Direction Surveillance Fédération de Levier l'a aidé à assurer respect politique de crédit. Et ces politiques de crédit qui sont un outil que le conseil d'administration question élaboré pour assurer une distribution équitable du crédit aux membres. Donc, ce n'est pas la direction surveillance qui assure que la distribution en fait bien. Elle veille que la politique qui détermine comment pour crédit à distribuer, elle respecte. Mais il faut dire que c'est le conseil d'administration en dedans question qui assure qu'il y a une politique qui est adéquate. Et le comité crédit en dedans question, il bail crédit en respect de la politique. Ça. Conseil d'administration, c'est eux-mêmes qui ont monopole d'élaboration de politique crédit. Yo. Mais le comité de crédit, c'est lui-même qui prend décision pour bail crédit. Mais il faut que le bail crédit en respect de la politique de crédit. Très bien. Donc, conseil d'administration qui a des bénévoles là-dedans, il parle à chaque jour pour assurer que le comité de crédit a bail crédit en respect de la politique. Là. D'où l'importance des inspections. Inspection, le levier intervenu pour le dire à conseil d'administration et il faut que nous fassions attention parce que il y a un dérapage qui a fait dans la façon crédit à bail. Il y a un crédit qui a bail en non-respect de la politique de crédit. Donc, c'est rôle inspection, c'est rôle direction surveillance, fédération, le levier. Alors, une question un peu délicate. Est-ce que dans la pratique, par une intervention qui aboutit à demande de modification, de changement, de structuration d'un comité de crédit ou d'un conseil d'administration? Nous gagnons, sauf des cas côté que nous sommes capables de demander que nous écartions un dirigeant de gestion de ça. Mm-hmm. Nous sommes capables de prendre des exemples de conflits d'intérêts. Donc, si nous estimons que il y a un dirigeant qui est en conflit d'intérêt avec sa caisse, avec les opérations de la caisse, n'a demandé que écartel. Lorsque il y a un dirigeant de crédit, en sa qualité de membre avant d'être dirigeant, il y a un droit à crédit. Mais une fois qu'il y a un crédit et qu'il a traversé un mauvais pass, crédit il vient en difficulté, on comprend que toute capacité morale n'est pas là pour la traiter tout l'autre crédit. Si crédit là, il y a un niveau de délinquance qui est important. Donc, ou pour demander pour la prendre disposition sur l'autre crédit membre, mm-hmm. alors que crédit pâle en mauvaise situation. Mm-hmm. Donc, le ça, nous sommes capables d'intervenir pour nous capables demander que dirigeant ça
li à côté. Donc il y a des dispositifs qui en place pour éviter genre de situation ça, pour que pas gagne en ressources, pas gagne en dirigeant qui trouvé en situation de conflit d'intérêt avec les intérêts de la caisse. Très bien. Alors nous prenons caisse populaire là, dans gestionner, garantie. Mais mon cap garder nous là pratiquement. Qui t'a même connaît par exemple mon cap fait un taxi moto, qui t'a rentrer dans caisse populaire par exemple pour faire activité avec lui. Donc soit dit mon ça par rapport à mécanisme qu'on met en place pour assurer saine gestion des caisses d'épargne et de crédit. Soit dit mon ça particulièrement. M'a quitté directeur surveillance là, foncier avancé sur ça et puis m'a complété. Ça dit mon ça. Oui. N'a dit mon ça que caisse d'épargne et de crédit yo, c'est entreprise qui fait exactement pour eux. Non seulement il y a tout un accompagnement pour aider eux parce que à la caisse on forme aussi les membres. Nous former membres yo sous plan économique. Par exemple, moun k'ap fait taxi moto ak vini dans formation pour al subir dans caisse ou bien pour al recevoir dans caisse là, l'a montré li un peu comment pour mieux gérer revenu que l'a accumulé ou bien que l'a fait dans activité. N'a dit moun ça li met vinn joindre nous parce que caisse yo l'a pas la fois l'a tout propriétaire yon entreprise, l'a pas la fois usager et propriétaire. Et entreprise là par la fois usager ou propriétaire, li fait exactement pour aider le développer, pour aider économiquement à venir plus viable. À chaque côté, fois li t'arrive un côté, li t'a manqué force pour aller plus loin. Si je dis à son moto li gagne, li t'a acheté par exemple, yon exemple pour $10,000, l'a gagne possibilité pour l'acheter un moto, l'elle vient même qu'est-ce pour $20,000. Et côté $20,000, c'est pas besoin posséder. Pas besoin de $20,000. N'a pas mettre $20,000 dans main. L'a pas acheté moto, n'a pas accompagné lui pour qu'il rembourser comme moto. Pendant l'a rembourser comme moto, pour prochaine fois le besoin quoi, il doit pas même recourir à crédit, lui trouver moyen pour l'acheter lui. N'a pas dit yo, n'a pas tenu direction de surveillance là la pour protéger et pas y a mettre yo. Direction de surveillance là la tout pour protéger intérêt yo, tout pour qu'est-ce là pas faire abus aussi. Parce que nous veillons tout aspect ça. Est-ce qu'il y a abus qui fait à un membre qui besoin d'un service quelconque? À tel point, bon service, dans la question, bien, il y a quelque part une boîte côté pour un membre qui n'est pas satisfait de un service, qui a fait appel. Très bien. Direction de surveillance à l'arrivée, il garde tout appel que membre fait de service qui a été refusé ou bien de problème quelconque. Nous avons dit chauffeur taxi moto que nous faites pour eux, c'est entreprise qui taille pour eux, qui aide eux à avancer, qui aide eux économiquement, aide à la famille et qui fait éducation économique et sociale. Très bien. Le mot de la fin, directeur. Juste, m'a complété simplement pour me dire que Caisse Populaire, c'est l'école qui fait éducation et pas tout le monde. Très souvent, nous n'avons pas besoin de crédit parce que nous n'avons pas démontré une capacité pour faire crédit. Alors, dans Caisse Populaire, nous apprenons à faire épargne. Nous apprenons comment yo démontrer capacité pour gagner crédit et directeur là sorti de toute bagaille. Sinon que moi remercier professeur Payan qui toujours ba nos possibilités pour adresser à population du monde entier sous sa cap fait en dans réseau le levier. Nous remercier tous téléspectateurs dans tout monde là cap tendez nous. Et c'est une occasion pour nous dire, mais continuer à garder confiance en la structure ça. Donc, son structure qui est faite pour eux, c'est propriété par eux. Et c'est la seule structure côté que c'est eux-mêmes qui prennent décision. Très bien. Ainsi prend fin la 362e édition de l'édition de Badia sur Téléguinée. Au magazine, Vision Caribotem, gestion des caisses d'épargne de crédit, quelle garantie? Vous êtes amplement servi et vos intervenants, nos invités du jour, à la personne du directeur général et du directeur de la surveillance, eh bien, ils ont fait de leur mieux pour vous rassurer. Merci et à bientôt.